Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Suivez Oyoka Kamboso à l'Obeli Kagame Mabe. Régime de terreur, voyous et à ce théâtre, réfugiés rwandais. Bandeko a touché ma poignée sa sécurité. Alors, Ndenga l'Obeli président rwandais, tous à la connecter Bandeko. Et puis, Toyoka Pibayati. Avançons. Deuxième point, chers téléspectateurs, retrait de M23 vers Est, Tshiwewe remet encore le bâton des opérations Andima. Bandeko, M23 va changer de direction na Bango. Batiki kota sa, ba otiki ba kote nyo so ba keko vanda na frontière na Rwanda. Ma kamboza minene. Donc, tozo satan na guerre ko sakanate. Alors, tozo la connecte, peut-être que développons une émission na biso. Alors, Bandeko, émission de M. Bandi, il y a un peu de place qui a été tangue kouki. Donc, on banda directement na message à Mbosso. Et puis, on divise à peu près na trois parties parce que à l'objet pendant le président Kagame, président Rwanda, l'obéli et Mabe. À l'objet. Aza régime yaba terreur. Alobi na ye, eza en état voyou. Bazo vivre na makila ba kongole. Bande komele toko tanga eko sala bino do boyo kapena boloba a président rwandais. Bande ko alobi makambu nyonso. Après wana, a touché ya EAC. Bande ko. Yako sakanate. A lobi na ye, na EAC, baza ba théâtre, bazo zo ba mesure kalate pona bango. Et puis a ye, na M23 bito ko sala négociation na binote, esate. Donc a touché ba point nyonso ko sakana mouti. Parce que na deuxième point, Mbosa le mon poto yo ki déjà bango toya na deuxième point et pa wa ba se retirer soit disant ba kite ba kote wana mas ba kite west ba ke na est ba territoire à est na Rwanda akamboza minene. Voilà, alors président rwandais alobi obanda ba aventure obanda kala na ba aventure wana ba Kongole bazo kufa yokuna kutu ozati alobi régime ba terreur al na communauté internationale ba lobi na ye nyonso pe ba lobi na ye yazo continuer na ye te ibe ke communauté internationale ba lobi ka kolo kwa azo continuer ko sala dongo yo ko boma ba Kongole alobi na président rwandais ozo kata sonité. Est-ce qu'il y a du coltan au Rwanda? On ne connaît pas ça, tant que tu ne développes pas. Et puis, bah, EAC. EAC, bah, il y a. Mesure, on ne dit pas que ça, qui peut pas être offensif, bah, salité. Aïe, son besoin, il y a un théâtre dans le Katambo Cannabis. Assemblée nationale de la mesure sur EAC qui dégage. Bandeko, bango depuis Bayawana, ma solo na moza apé clarté. Bon, on a une émission passée par ma solo bankoukou na ba M23. Et puis, ce qui est clair, arrivé ya armée angolaise ya vérification, et cause la peau batou bakindi. Nazo mona tende ba kuvanda po ndenge mbosa lobeli ya mbosa lobie ke jusque là
bazo mona tina te baza kose vana na kata edisi. Bazo mone loko moko te pana bango. Do batu oyu. Il faut bakite mboka oyu. Paske eloko monte ba osala. Alo alobi nande ya mukola bi kalati. Assemblée nationale a kozwa ba mesure paske bazo mona eloko monte mandat offensif et komi na kata terrain ignari. Bazo yenga yenga. Voilà, c'est pour ce gars, j'ai ma décision à ma kasi, ma loba pena au sakanate, et pas y'a président rwandais. A lobi président rwandais, yo kata sonite, a lobi sans honte, n'y a même pas la honte, y'a kolobaki. Le Rwanda est le premier producteur y'a coltan. Alors qu'au Rwanda, n'y a pas de coltan. A lobby régime yaba terreur yaba régime sanguinaire bazo boma batu bazako vivre na makila ya bazo boma wa congolais pour bazo ba matière première. A lobby un état voyou bande komboso a raison de le dire. Ouverture assemblée nationale est caractérisée dans ma camionion sur les kaki pour peuple à comprendre que assemblée nationale a traité ma dossier one pour bango le leçon que assemblée nationale lobby lobby et à senganda nganda. Alors ce qui n'a pas comprendre que bazo zela armée wana yangolaise pour bango bakende toujours mon le côté ba osala. Masula bon a président rwandais tout yé bakop na bango ezo mona clairement ba mutu moko situation ande ezo kende mawatu batu oyo basali me ba yé baké oyé commandant Kenya ti le laza na message fo tia yé sakaye ayé bela na Bujumbura. Mais tout le monde solution. Alors, départ, na moins ou moins, clairement, il y a arrivé, il y a contingent, on attend, il y a SADEC, il y a vérification ad hoc, il y a le réseau, il y a Angola, il y a un peu de temps. Tout le monde, sur Tali, au moins, qui est le côté. Et puis, il y a une facilité, un 23, ma camoubele. Armée ya Burundi pe bakene ko sola na bango ba memie kuna masola bango to ebiti. Soki to comprendre masona bango zakaki ya makamba zona tampona. Me baye bake biso pe to leki bango maili. O nyoso bomba linga basala ndimite ke kusimba. Bakop na moto ekoya na mai. Prezor wande na mutema ebikake an. Suka, soto se retire, tu vas à quelque part, tu vas à négocier. Mbosso a salubi kezate. Un deuxième point des assommes. Alors, ceux qui te ont à la théâtre ou nyonso, ils ont salamao. Tu qui ce qu'on a promis à ba réfugié. Ba réfugié rwandais, rwandophone, bazo kenemboka na bango. Mbosso suka beti sete na ba réfugié congolo baza na Rwanda. Alors, il faut vérifier moko na moko. Baye ba origine na ye, soka sa vraiment congolais, parce que le président rwandais a un état voyou, bande mboso mutazo loba, akoya, po atia, le source infiltration na kata ba institution congolaise. Eh, assemblée nationale za kunyinganati. Alors, alobe le président rwandais, totanga, bongo to avance. Et ça somme. Mboso, suivez Mboso. Kagame régime de terreur, voyou, et à ce théâtre, réfugié rwandais RDC, l'Assemblée nationale a ouvert mercredi 15 mars 2023 sa première session ordinaire de l'an 2023 dans un contexte particulier marqué par l'agression du pays par les Rwandais à travers son subterfuge des mouvements de terroristes M23. Dès l'entente
de son discours d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, Christian Mbosso, a affirmé qu'il est notoirement établi que la RDC est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise RDF. Larvé en groupe terroriste, connu sous le label du M23, il a déploré les massacres, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda, tout en mobilisant les arguments fallacieux des années 74. Mbosso alobi ke makambo tu babanda yango kala, ba mouvement na bango babanda, ba oyo kaka, ba jena bango depuis 94. Alors, ayango alobi na présent rwandais eti Rwanda tue au Congo et M. Kagame défie toute la communauté internationale en dépit des commandations verbales des États-Unis, de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et bien d'autres partenaires de notre pays. Alobi, malgré conversation présent rwandais, na Anthony Blinken, na ba présent américain, na Allemagne, France, ba pays wana nyoso, malgré ma soba solina présent rwandais, azo continue kaka régime na yaki espagniste. Alors, Mbosso alobi ke tika na lobe la yo. Donc, ba présent en alliance européen en Occident, ba solo yo nié, ba ngoto to ebina biso ke za entre parenthèses, pour battre un peu, ba ngoba soutenir kaye, mais au lobe le côté. Alors, alobi boui, il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un état voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais et se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs du meilleur coltan du monde. Donc, il est parmi les producteurs à coltan. Depuis quand? Azotimo la coltan à LDC, il a commis premier producteur du coltan du monde, mais qu'il a congolais, va congolais, va congolais, va congolais, va congolais, va congolais, biso ba congolais toaka bazoba quelque so 4 5 so 6 congolais bazana kati wana so na taliban o ezo salanga mawa de toute façon de commencer à lobazamba outu rwandi bon po congolais ko sa bandiko bandiye bisayo o to sala mouvement inventeur to bomba bandiko na yo to yiba ba minere yo pondi mina yo bandiko ezama wa alo akesiko yo na makamba ba réfugiés. Identification des réfugiés congolais pour éviter l'infiltration des institutions. Pour ce qui est la question du retour des réfugiés, boyebe ke ba destin ba réfugiés rwandophones ba ke ni Rwanda o abango pe baya. Ya lo biboy. Mbosso a fait savoir que l'Assemblée nationale prendra dans les prochains jours une recommandation pour définir les principes devant sous-tendre cette opération. Néanmoins, l'Assemblée nationale a d'ores et déjà invité le gouvernement à procéder à une identification préalable privilégiant parmi les éléments pertinents les villages d'origine et les généalogies de concernés avec l'appui de Cheikh Koutimi. Alors, Cheikh Koutimi est yeba, ba Congolo ba outa Rwanda, so baza ba Congolais. Parce que, à lui, président rwandais, azali sanguinaire, aza un état voyou, a kokozo batouana, a tindi bango le sur la institution. Bandeko Mbosso azo loba na bango pour président rwandais direct à l'Assemblée nationale. A le ba Cheikh Koutimi bako tala ayo rwandais ale yo zonga Rwanda. Ah Rwanda. O congolais bokota na EDC. A lobi akoza la strict nango ba Cheikh Koutimi bako participer. Cette manière de procéder renseigne Mbosso viserait à limiter les conséquences du dédouanement d'une telle opération par l'agresseur occupant, notamment à travers une déportation violée des populations rwandaises vers la RDC dans le but d'infiltrer de ces institutions comme dans le passé. Il y a comme ça le système Moussous qui a déporté les Congolais. Mais il y a les Rwandais. Pour qu'il y ait des côtés dans les institutions, c'est un bon salobi, côté wana, ce qui va y être aux gens qui au Rwanda. Parce que tu as bango. Alors, le biso tu as la clair nango. Ba Cheikh Koutimi ba ko sala. Onga na Rwanda wa Rwanda. Bo village no village bo. Cheikh Koutimi bo yebi oh tete yebi te ale zonga Rwanda. Ba rwandophone il faut ba zonga Rwanda. Ba kamweza mine. Allo. Bo ba zoya ba ko vérifier bino malam. Donc ezé accord ba yo kana au commissariat des Nations Unies
bango bakende bope baso mboso asukisi wanati akena EAC eza somo l'EAC offre l'image des troupes en villageature sur le théâtre des opérations militaires. Leur présence sur notre territoire risque de devenir inutilement onéreuse et son impact devra faire l'objet d'une évaluation froide afin que des conséquences soient tirées et des mesures correctives idoines qui s'imposent soient prises. C'est pourquoi j'appelle à la vigilance et à la résistance de notre peuple contre l'agression, a déclaré Mbosso. Bayati a lobby l'agression rwandaise ravive la flamme de la mobilisation de ce quotidien qui depuis le mercredi 15 mars au palais du peuple y a lobby que mobilisation wana bayati mobilisation et salami masole ke kitoko a félicité mon konja mboka. Alors bande kote yo ka député Moindo ka se kwa ye aza député opposition ya zolo ba ke en tout cas c'est sûr fallait za la kaka tout traiter dossier ya retrait ya batu ouyo. Mais ce ko tali bien retrait wana mboso asi a lobi yango mais toyo ke nanu bon to avance du Nord Kivu, l'examen du retrait de la RDC de l'EAC ainsi que l'évaluation des opérations des forces armées devraient être les deux priorités principales pour cette session. Jean-Baptiste Muindo Kasweka. La priorité des priorités de cette session consiste d'abord à faire une évaluation sans complaisance des raisons pour lesquelles les FADC ont abandonné successivement plusieurs agglomérations au médium 23. La deuxième priorité, c'est voter une résolution qui ordonne de l'EAC le retrait de notre pays. Yaza ko insisté. Alors que Mboso a lobi ba poignonso ki ba ko traité yango. Mais na zo yebate ye. Oui, eza no mabete session ba s'organiser kasiri yango. Mais ayeba ete. Ndenge to landi wana. Mboso a lobi ba poignonso. Alors, ma députée opposition, Mbosa sa bako traité ya omende ya zolo belango on dirait que, alors que toza bisogni anto le baza la bon moko na assemblée nationale, ma kambo ekene bien. Alors, tomeka ko analyser message ya Mbosa. Alors, tomeka ko développer ya. Chers téléspectateurs, infiltration est à tel mayatro. Et ça m'a wa. Oyo batou yo baiko sala na mboka na biso. Voilà la situation. Congolais, la mouka. Oyo ki mboswa, telle ma place aux ali. Alors, réaction ya mboswa est à la ki makasi. Les présents rwandais. A lobby un régime de terreur, un état voyou qui vike na makila ya ba Congolais. Et puis, a lobby que sans même la honte, le président rwandais se permet de dire que le Rwanda est le producteur, le premier producteur de coltan au monde. Ah, président Yoé. A lobby a sou kata soniti. Ya kolubaki ya sa premier producteur ba kolta. Bande kona kadra ba mbongo tatoyo pene don ici. Ah don denga zona. Mena yebite. Est-ce qu'il ne comprend pas? Que situation si rivise. Bande ko non ba kambo zare. Ba président ba respecta ka passe présent nyon soza na masou nay. Un vrai président ki osa li sulu nay. Kop nay, kop wana e bani. Président na ko se respecte. Hein, mwisa ya zaza. A bête en face à bon, mais président rwandais se met en face pour naïe, kaka makamboni continue kabon. Est-ce que ça malam? Bandeko, totalement pour namboka, président rwandais a dû décision que nation union se n'a quoi avancé kaka ngana yi barak. Ya mboso a lobi neke en présence. Ya monde pose au micro, ozo loba que za producteur a coltan depuis quand? Et puis, a lobi, que
communauté internationale va lobby na ye. Non. Yepo na yeti objectif wana ki azwa ba matière première économie ya mboka ne avance. Ezo passe na ba moyen moko ya mabe a créer ba groupe armé futa kabango. Ba groupe armé mosu wana za ba Rwanda. Ne baso timo la ba coltan na RDC. Na minduki ye mta pesi bango. Situation na ndenge komi boye komi pena mawa. Elo to senga siko bandiko za makami nene. Ba konzi basala tu. To telema pona situation oyu. Parce que na moma oto za. Soko zo tala. Omona clairement ki olobi. Ah non. Nous avons un problème. Rwanda mi koti si Rwanda mi koti si mobimba. Na kati ya ba resources mboka na biso. Allo. Ezelo ko mo ba congolais faut faire attention total. Président Oyo, non non. Ya mbo salobeli. Allo. Donc est-ce qu'on a EAC? Allo bi ke EAC. Il faut bazo ba décision pour na bango. Depuis qu'ils sont là, ils l'ont comme mon côté. Des théâtres et des théâtres. Bah, pour faire que ça, alors il faut pas dire à mesure. Parce que je peux sa peuple, mais le Koumouti. Il n'y a rien. Parce que bon, bah, il y a qui pour balou. Bah, il y a un 23 quoi, offensif et tout ça. Mais il n'y a rien qui s'est produit. Maintenant, ce qui te comprend dans le clair, bah, je passe armé angolaise à Zoya, m'bosso a ma décision, bah, tu vas qu'il. M'bosso dit lobby qui, tout ce monde inutilement koubaza la nakata mboka na bisou, alors qu'ils ne font rien. Mission bah, y'a qui za, oyo bisou de tchaki monte mati. Donc, et assez, bah, zo kendi. N'dengi bazawana, kaka ndenge kaka armée angolaise azo koma et assez bazo zwanga na bakende. Il n'y a plus rien. Po bango pe bazaki mission na bango ke bazala wana batala nde ba invento ba se retire. Mais basale le côté alors to kwa ko maintenir abikuna ba to kwa ko maintenir bango su bazala na EDCT. Le kola armée angolaise soki ba yi bango fou bakende armée angolaise a ko remplacer ba côté wana nyonso. Voilà dossier ndenge sali et puis armée angolaise bakozana bato baoza kanto. Alors bandeko esema ka ko sakana te mboso a qu'est-ce qu'on a point ba réfugié alobi ba réfugié bakoya mais fou ba vérifier bango ba chez kutimi bazala prison. Osa Rwanda, laksa mboka no mboka buba. Beshe kutumia mboka wana. Batali so Rwanda wana zaksugu. Asa Kongole ya sulu. Oui. Kushe kutumia luna yebi yete. Batuwa kutuhiba ngote ya lezonga Rwanda. Alo ifoto keba ya korefuleba Kongole de. Kuna mazo tinde infiltration na ina kati ya EDIS. Asa na system moko azo vivre ke ya infiltration na kati ya mboka na biso. Alo. Bandiko tutelima. Batu oyo ba bandi ba kopo bandakala. Likamuni na wesila kate mokonza mboka lobito oti a fin na makamu oyo. Alo, voilà ndenga Assemblée nationale ba lobeli président Rwanda. Pour résumer, président Rwanda, un sanguinaire, régime de terreur, un état voyou, azo kata soniti, ya kolobaki. Aza producteur ya wakultan. Alo kaza na mouti. Alo bande konanga. C'est à ce point. Tukumo tika. Point oyu. Tukumo kende na. Deuxième point. Alo bande ko message koi. Retrait oyu. Ya 1.23. Balobie za clarté. Batiki ba territoire. Nyonso ya west ba kena est. Na frontière na Rwanda. Population à lobby. Batu oyo botala ba malamu. Peut-être ba ko préparer pe asomo ko direct.
nakoma si sa makambu ndenge ezo salam. Il y a un complot qui se prépare na niveau ya batu parce ba komi na suka ba le ba retrait salami na ndenge moko et puis ba salaki ba solo moko secret na armée burundaise na armée akeni nzamba sunga ki armée angolaise ba ya rapide kuvanda wana kuyeba mouvement o izuleka ba troupe a Burundi musu ba elelo donc situation est peine tendue na ba retrait na bango. Il faut que la position na bango parce que la population a lobby bango ba tiki côté à ouest ba kena est ba lobby situation est peine confuse. Confusion moko ezawana bango ba nde ba tiki ouest ba ke est. Il y a quelque chose qui se passe. Oyo peut-être batu bazo mona bazo comprendre bazo passe bazo mona ndenge bazo se retire. Et ça ndenge penate onde bon bazala. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a on ba lobi na farde se bazala mayele. Batinda renfort makasi kote wana. Bazala ko sakana te parce que ko déployer sukoy air nyoso patrouille na likolo ko yeba bato opposition na bango. Allo problème est aliawa chiwewe ayo comprendre mbala moko le général Ndima azongeli opération na commandement donc changement salaire basane le balinga parce que y est déjà pas en terrain yebi ce qui se passe. Alors na niveau état major chiwewe alobi no Kosandima yozonga n'opération do basali mwa ba permutation moko wana. Mais soko tali situation tozana ngo il faut penda général Ndima afungola misu ne makasi na position opération na batuyo. Tozoko satana na quelque chose likamwa ko sala mawana même avant armée angolaise akoma. FARDC bazala vraiment prudent. Présent Angola zama yele mingi peuple a lobbyé bango ba se retirer na west pourquoi ba tiki ba territoire nyonso ba kangaki na west bango nyonso ba ke na est pour quoi c'est ça le problème autour de débattre une émission maintenant chiwewe aponi Kostandima azo baton azo ngel opération militaire Baloukan, parce que la situation de Zanango, aux autres capenés attendus. Mais tu m'as compris, tu vas comprendre, où est Zoloba. Parce que ça clarté. Alors, Nassé ou à la retraite des inventeurs de certains villages, interrogation sur Inakalmi. Alors, Bandeko, tu vas bananana, tu vas venir remettre les bâtons à l'opération Nandima. Et puis, tu vois, il y a un retrait 1-23 vers l'Est. Parce que, les associations m'ont comme au bout. Le gouverneur militaire de la province de Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Koba Constant, reprend les bâtons de commandement des opérations. C'est ce qu'indique le chef d'état-major armé de la République démocratique du Congo dans sa notification du 15 mars 2023. Dans ce document, il précise que pendant l'état de siège, le gouverneur militaire doit s'occuper non seulement de l'administration de la politique, mais également du commandement, du commandant des opérations militaires. Je vous informe que l'arrêté, MDAC vous a réhabilité dans l'intégralité de vos fonctions et attributions du pro-gouverneur militaire, tel que spécifié par le prestige de l'ordonnance du 21-016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application d'état de siège sur une partie du territoire de la EDIS, notamment à son article 5 qui stipule que pendant toute la durée de l'état de siège, le pro-gouvernement militaire a la conduite des opérations. Peut-on lire dans ce document signé par le lieutenant général Chiwewe Songesha Christian. Donc, Chiwewe Alobi Ye Adjoa Azongela
place wana parce que ye aza gouverneur militaire na état de siège, il faut diriger l'opération. Donc voilà. Par ailleurs, il a oublié de souhaiter ses sincères félicitations à Dimango. Il n'a pas oublié de souhaiter ses sincères félicitations à Dimakoko, tout en lui demandant de donner le meilleur de lui-même pour mériter davantage la confiance de sa hiérarchie. A lui, tout le monde a makama kitoko, on est dans le dossier de Zanangouzia difficilement. Ndima a zana dossier à mouné na maboko. Et assez. Et puis déploiement, il y a Batu Oyo, et puis retrait, il y a M23. Alors, directement, tout qu'il y a retrait. Retrait des rebelles du M23 de certains villages, interrogation sur inacalmie. Peuple à l'objet, situation est à Malamou, t'es capable de moi de tirer ma camion sa ouzadi. Retrait des RDF vers la frontière avec le Rwanda. Et demande dialogue avec le gouvernement. C'est-à-dire, Bango, Basali système, ba village, Oignon, c'est à la frontière à Rwanda. Bango, Bako Vanda, wana, pour basenga dialogue na gouvernement. Mais message est clair. Mbosse parle, Bako, en Assemblée nationale. Il n'y a pas de dialogue. Bino, Bako, quitte. Bon, Basso, Lana, Bino, dossier, y a PDDS. Mais, Nandenga na omo na dossier oyo bitumbo ezongo yango tina ba kontamboka ba prévoir ete armée angolaise ba vanda wana ko vérifier soki bango baki parce que bango moko basi ba lobby ke biso toko kenete toko vanda wana d'abord bazo senga ete ba village ou agnos pour m'a quitter, il faut dialogue na gouvernement. T'as la problème auto sa nangon émission ouyo. Et puis ba se retirer na ba village à ouest. Yama sisi partout, mais ba ke côté est, ba vande kuna. Ma kamoza minene, bonagana, ke cheche, ba sa kuna. Pour ba quitter, c'est ça le problème. Donc, bazana mayel na bango, ne kichanga, ba bimina kichanga, ba tigi batramonyo so zalantura kichanga. Alors, population bazo mona mouvement na bande bazo kende wana, bazo mona ba baje na bango, ba lobi ke situation eza mobulu. Certains villages, les rebelles de certains villages interrogation sur inacalme. Donc, dossier est à mon boulot. Bandeko, bato yo bazama yele mingi. Ils sont très très sages. Ba yebe te soy to sali boye, to kende boye, voilà, ma yele na bang. Alors, soki to otala dossier yo, est à mon boulot. Alors, to yoka, nanu, ndenge Constantima, azui, ba fonction, Bongo to avancer les missions Nabiso parce que l'heure est grave. Alors, Bandeko Toyoka Ndenge Constantima a eu bâton et opération parce que Azalaki Nangote a eu un gouverneur militaire. Liboso Azalaki Yav. Yav Bakangie, Marcel a remplacé. Maintenant, il a eu bâton et opération militaire. Asa gouverneur militaire perdu commandement nango. Alors, Chiwowe, apese Tolanda, ndenge le kaki. Bon, to continue mission. Le gouverneur du Nord Kivu reprend la conduite des opérations militaires dans sa province. Le lieutenant général Constant Dima a été notifié hier par le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Tshiwewe. Pour mémoire, le 12 juillet 2022, le général Constant Dima s'était vu retirer ses fonctions au profit de l'ancien commandant de la 3e zone de défense, le général Philemon Yave, qui a été ensuite remplacé par le lieutenant général Marcel Machita. La nouvelle disposition certifie l'arrêté du 28 novembre 2022 du ministre de la Défense nationale qui réhabilitait le gouverneur dans ses attributions. Alors,
bande ko tolandi biso nyonso nde be expliqué yango. Liboso ezalaki Yave. Yave ake bakangi mena baye kotia Marcel mena ba monete normal gouverneur militaire fa jo ba attribution nyonso chiwewe a suite musala malamu po hiérarchie ba pese sur confiance. Alors Konsandima azana un grand dossier face à un vento. Alors, avançons. Alors, bandeko tolandi biso nyonso. Konsandima aza réhabilité na poste na gouverneur militaire comme en état de siège a ju place nae. Alors a continué boulot nae en tant que gouverneur militaire. Voilà makambango ndengezo kende. Situation ya Konsandima a ju lettre ya Chiwewe eti banda lelo Konsandima a reprendre place na eto landi biso son exilé wana. Donc Konsandima a bani mena ba activité comme gouverneur ko dirige mboka. Mais na makambo wana nyonso ba Congolais toyebe ki toza na dossier ya munene na dossier oyo ya retrait ya M23. Bato yo soit disant ba kite, me bazo yenga yenga ozalantu. Alors, mena toza kotuna, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, directement, to lo basi retre wana, nde to tangi. Retre ya bato yo, ba tiki ba, ba agglomération ya west, ba ke ba agglomération ya est. Alors, ba village wana nyonso, eza problème moko très sérieux. Ndeto yoki na première partie député wana luba ke ba ba village far de sa tika ki boyebe ke na lere wana to luba lere a Bunagana et tout ça Yave mutazara ki place wa. Maintenant ba yo comprendre ke no Konsandima ajwa makambu nyonso ame en tant que gouverneur pe na opération nyonso me loto ntolo bandiko. Maintenant, Konsandima a reprendre des activités, tout en tant que gouverneur, n'est que bandaki, n'est bandi. D'inquiétude autour de l'Obawa, et c'est un retrait à M23. Mouvement est suspect, bandeko ba ou des missions pour partager, et je sens clairement, ba konzi, ba téléma, ba tia armé partout, donc Konsandima n'est du relève wana, asana un grand dossier parce que, M23 va quitter. Bah, tiki tiki batulamon, quelque part, partout. Et puis, arrivé, il y a armée angolaise, ndeko sunga makambu ibele, ko yeba ce qui se passe. Il y a des cache-cache entre EAC na bato. EAC ba yo ke bazo kende. Bolani na première partie. Ba yo ke ba o kende. Voilà. Donc, azo sanctionné bango et te ba quitté. Donc c'est comme ça. Alors, bandeko, surtout au tala dossier, ba Congolais tout tellement pour l'intérêt en boka na biso. Peuple ya Goma, place Bozali, bo tala batuyo. Retrait na bango wana, tozo mona clarté, mais to yebiété, armée angolaise a comme un peu rapide. Bango ba ya pona vérification et ko sala bien na kada terrain parce que mena terrain za lokola et tikaka EAC za bango et mona polele ya on mbosa lobeli bango nyoso. Alors bandeko tangwe koki to récupérer mboka kalati makambo zo kende bien do ba konzi penda stratégie na bango et kenaki bien. Parce que c'est total maintenant. Présence kaka y a armée angolaise wana. Nabata eya se maso le vandi. Parce que bamba zo vérifie ce qui réellement bakei. Mais alors que bandi kobotala, voilà la différence. Eya se sont là. Ba M23 baza wana. Baza kwa attaque. Mais bamba zo mona bango. Mais armée angolaise n'acceptera pas ça. L'armée angolaise a causé la strict n'est pas na bango. Bon quitter ou bien beaucoup s'habiller qu'on a bien. Parce que bango besoin de mission à vérification.
Mais bon, comprendre que l'armée angolaise a une mission en vérification, mais bah, lobby très clairement pour telle qu'une mission passée, bah, il y a une arme au complet. Mais bah, il y a un Kubundati. Bah, il y a une vérification. Bango bah, il y a un 23, ndenge y a un ASC qui est 23. Bango bah, il y a un long de siko baki, baki, bobo, ça, n'y a bokin. Ce qui baki, c'est que je suis là. Voilà les matchs qu'on a à la terre. Donc, on s'attend la semaine prochaine. On va le voir dans la Kati. Il y a un côté de la Nyonso. Parce que, et assez, semaine prochaine, on a une limite qui est aussi là. J'ai doute qu'il faut pas qu'il y ait. Voilà, on a une limite qui est alors, on s'en dit, il y a une limite qui est aussi là. Il y a un gouverneur. Maintenant, on a pêché au père commandement. Azu yango na mabo pas azaki na ngote. Le yaza ka gouverner militaire opération zene maboko ya yav yav makamba botel so mboka ye wana mana bakala. Alors ba Marcel o azali ya 34e région militaire ye azo relève. Mena ba monete ba pesa ko sandi mama kamunyo so po yaza gouverneur militaire. Mais bo musuana basa toujours wana stand by ma solo zotambo mais problème mena bo mona la différence na armée angolaise na EAC zaki EAC article ki bateau autant armée angolaise article la bango tanti ce qui va se passer beaucoup ndima parce que ba mutu makasi ba mba okiteti ba tu ba okite na force beaucoup yo kabitumbe ko éclaté tout ça se prépare. Alors voilà, c'est pour ça gouvernement au avion de chasse va ben bibunde la makasi zakakuya donc opération et ko sala manane ya osaka na uti. Alors bazala mayele retrait bateau yo vers est na frontière à Rwanda ezaki poso ko yindi Rwanda za sima na bango kaka na frontière makamu zo sala to sala mayele na bateau oyo. Alors bande ko nangai bo continuer ko partager to comme na fait mission na biso bo continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.